Chers amis, c'est un plaisir d'être parmi vous ce matin pour célébrer ce grand retour au Bercail. Ça fait maintenant 10 ans que les flammes ont engouffré chez vous, ce lieu empreint d'histoire et de souvenirs pour plusieurs d'entre vous. Situé en plein cœur de Québec, le manège militaire est non seulement un endroit symbolique pour les membres du plus ancienne unité francophone du Canada, mais pour tous les Québécois. De Courcelette à Kandahar, ce régiment, votre régiment, fait rayonner notre pays à travers le monde, d'une génération à l'autre. Vous faites véritablement notre fierté. Déjà paradé dans les rues de Québec, il y avait du monde un peu partout. Et entrer par la grande porte avec notre drapeau, le drapeau qu'on a retiré il y a 10 ans alors que l'incendie faisait rage, le même drapeau était déployé par le sergent qui l'avait retiré 10 ans auparavant, au moment où les couleurs passaient. Écoutez, pour moi, c'est un moment magique. Et puis donner mon commandement la journée où je peux faire ça, la journée où j'intègre le régiment, écoutez, j'ai même pas les clés encore, mais on a pris la place. On a pris position, on est de l'infanterie, on prend le terrain dès qu'on veut. Moi, le Tueur de Québec, dans mon esprit, ça représente 156 ans d'histoire. Ça représente l'excellence des membres qui composent le régiment. Autant lorsqu'on parle au niveau historique que le niveau actuel. On a des gens qui ont servi outre-mer pendant la dernière guerre en Afghanistan. On a des gens qui continuent de servir le Canada à l'étranger. Et nous avons également nos mandats. Nous avons le mandat de déploiement comme le groupe compagnie d'intervention en Arctique. Donc, nous avons la chance de pouvoir participer à la défense du Canada. Ça veut dire beaucoup, beaucoup d'histoires passées et beaucoup d'histoires encore à venir.